Jane, veux-tu me promettre quelque chose? Promets-moi que tu veilleras sur Danny. Quoi qu'il puisse arriver. Sur Danny? Oui. Ton frère et toi allez devoir partir pour quelque temps. Partir? Mais partir où? Tous les enfants doivent être évacués vers la campagne. C'est si dangereux ici. Vous y serez en sécurité, tous les deux. Non, je ne veux pas y aller. Je reste ici. Mais chérie, c'est un ordre officiel. Tous les enfants doivent partir. Mais papa a dit que je devais veiller sur... Je sais, chérie. Mais tu veilleras sur Danny. Raconte-lui les histoires de Peter Pan. Il en a tant besoin. Et toi aussi. Je t'en prie, promets-le-moi. Non! Je ne veux rien promettre! Mais Jane, nous serons bientôt tous réunis. Tu dois garder confiance. Confiance! Foi! Poussière de fée! Maman, ce ne sont que des mots sortis de tes histoires, ça ne veut rien dire! Si, ça veut dire quelque chose. Peter Pan a dit qu'il te ferait voler! Daniel! Le temps des histoires est terminé! Regarde, nous sommes en guerre! Peter Pan n'existe pas! Et les gens ne volent pas! Si, ils volent! Oh, arrête, Daniel! Grandis un peu! Jane. Ce ne sont que des enfantillages ridicules! Tu mens! Jane, comment oses-tu traiter ton frère de cette façon? Tu crois que tu es adulte, mais tu as encore des tas de choses à apprendre.